A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Avant de vous présenter la future vidéo sur les Arabes, voici un échantillon des livres que je vais utiliser comme référence. Je ne peux pas tous les sortir, il y en a près de 500. Donc voilà, vous avez un échantillon de ces livres. Comme vous voyez, je ne vais pas chercher les références toujours sur d'Euternet, qu'on dit vulgairement Internet. Parce qu'avec Internet, on est quand même deux. Donc voilà un échantillon des livres que j'utilise. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, ça, il y a plusieurs. Hein, mais là, j'ai juste un petit échantillon qui va aider à comprendre le but de cette vidéo. Alors là, c'est très important parce qu'il y a des termes que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui sont utiles. Juste un échantillon. Voilà. Voilà. Et ce livre très intéressant aussi. 42 tomes, c'est ce tome-là qui est utilisé. Donc on espère qu'après, avec l'utilisation de toutes ces références, plus d'autres prises ailleurs, nous allons pouvoir vous expliquer, non pas la civilisation des Arabes, mais c'est quoi les Arabes et pourquoi certains se disent Arabes ou dans l'arabité ou arabisant, parfois avec des dialectes qui ne sont pas forcément de l'arabe pur. Et c'est pas forcément vrai. Hein, se dire arabe, c'est pas forcément cela. Je l'expliquerai par un propos à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que salut la paix soit sur lui. Donc vous avez ce genre de livres qui sont prévus pour le futur projet musulman culturel universel. Donc on vous demande de bien vouloir participer avec 2 euros simplement et de multiplier l'invitation auprès de vos contacts. Je vous remercie beaucoup, Jazakallah khair, que Dieu vous récompense en bien. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.